Hello les gens, ici c'est Shadowhari et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 sur le DLC Bury Galaxy épisode 1 de Bioshock Infinite. Et nous en étions dans cette espèce de truc, espèce de hall bizarroïde où il va commencer à avoir des choses bizarres. Enfin, disons qu'on est dans un endroit bizarre, donc je pense qu'il va y avoir des choses bizarres. L1 pour tirer votre arme, R1 pour l'arme, L1 avec les plasmines, ouais, ok. Je sais, même si je suis habitué à l'inverse. Genre, est-ce que... Oui. Oui, parce que forcément, quand j'ai... Ils m'ont rechargé la zone avant, donc c'est normal que je n'ai pas 4 balles, mais 2 balles, parce qu'ils m'en ont pas redonné. Ils m'en ont pas redonné une, et j'en ai usé une comme un con, parce que je croyais que j'étais dans Bioshock normal. Alors, des choses à fouiller, non? Non. S'il vous plaît. Hop, merci. Alors oui, ici, je vais absolument tout fouiller. Look up there. Ah oui, vous n'avez pas oublié que c'était en anglais. Merci. Le soda, ça donne de la F, ça fait zizir. Bonjour, monsieur. Je vais prendre un capteur. Skyhook. Skyhook. You mean the air grabber? Kids use them to ride around up on the pneumo lines. Air grabber. Le capteur. Constants and variables. Constants and what? Never mind. Ah, c'est pour ça que je comprenais pas. Un grappe-ciel. Constante et variable. Ah, putain, d'accord, ok. Bon, pour ceux qui ont vu la fin de... Je n'ai pas mis ce passage-là dans l'épisode 1, où elle parle des constantes et des variables, mais pour... Il y a toujours un phare. Vous savez... Il y a toujours un homme. Et toujours une ville. Comment tu sais tout ça? Je les vois derrière les portes. Vous, moi, Columbia, Songbird. Non. Mais parfois, quelque chose change. Des constantes et des variables. Oui. Alors, c'est vrai. Hello. Goddamn grabber stuck. Mr. DeWitt, someone's coming. Je sais. D'accord. Des chromosomes. All right, I got the grabber unjammed. Le mec, j'en mets trop loin là. YOLO! Can't hear myself. Think. I haven't found anything. Boom. Here, ammo. Ah oui. Parce que le problème c'est que il y a pas moyen de donner un coup normalement. Mr. DeWitt, look. What? Attends, 2 secondes, tu permets que je... Où ça? Housewares. Article ménager, Cohen a dit qu'on est trop Sally. Ah, c'est ce machin-là? The store ran trams between the three buildings. We'll need to avail ourselves. Le tram. Assuming it still works. Optimism, Mr. DeWitt. Ben voilà, c'est triangle pour donner des coups de... Bim! 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 Des coups de corps à corps. Ok. Ça va aller. Ah oui, amélioration technique, on peut courir dans celui-là. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est ce machin-là, le house machin. House hardware. Ok, juste comme ça. Le monsieur, là, il a fait... Est-ce qu'il y a moyen de... Oh non. Go ahead. I'll be fine. Mais non, t'inquiète pas. YOLO. J'adore font des sauts de malade. Ouvre-moi ça. Allez. Ah, oh, putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué au Bioshock Infinite, ça fait plaisir, j'avais plus l'habitude des combats. When did you come to Rapture? Oh, it was jeez, I guess around 51. No. 48. 48. That's a rather large gap. Time. Life I had before. Sort of becomes a blur. 49. 49. 49 for sure. Ah, tiens, tu saignes du nez. Damn. You look a mess, Mr. DeWitt. Just keep your eyes open for splicers. They can do us a whole lot worse. Here, little birdies. Eat it up. Well, it's good for you, you know? C'est un chromosome, par exemple. Well, I've never heard of birds that didn't like seeds. What's the matter with you? Do you think it's poison? D'accord.
What? Sam? That ain't the answer. I am someone. A man the right to feel like a man. Oui, je l'ai vu, hein, mais... To know his family is taken care of. No matter what. I see what you've been using me! Merci pour l'aide. Bam. Bam. Sérieux? Ah non, merde. Je me suis trompé. T'es copain, toi? C'est ça? Est-ce que c'est temporaire ou c'est... D'accord, c'est seulement temporaire. Ça va être chaud à buter. Je ne sais plus comment on fait les exécutions en plus. Ça doit être... falloir rester appuyé, je crois, un truc comme ça. Mr. Duet, look. Well, there's the tram. That splicer had no problem freezing a path for himself before. I'm sure he'll be happy to do the same for us. I have no doubt you'll prove persuasive. Oh! Yes, les distributeurs ils sont là. Ah, les musiques c'est exactement les mêmes quoi. Énorme. Ouais, des balles. Parce que j'en ai plus. Oh. Ça, c'est pourquoi? Ah, d'accord, ok. C'est cool ça. D'accord. Vire d'antan. Bon, elle est trop courte. Ok. Seulement, j'en ai aucun de ceux-là pour le moment. Donc, on va attendre un peu. Ouais. La farandole des prix. Bienvenue à la farandole des prix. Me bloque pas, s'il te plaît. Allez, je suppose que là, une fois qu'on aura le truc de l'hiver, capture en ice. What? Qu'est-ce que je suis censé regarder? Fouiller boîte à chapeau? Il y a une boîte à chapeau? Où ça? Là. Des dollars. Crochetage impossible. Elisabeth non disponible. Mais elle est là. What? An ice rink. Be good a place as any to look for our new friend. Says it's on the top floor. So we go up. D'accord. Ah, crochetage avec une épingle. Damn thing's locked. Let me see. Mais j'en ai pas. Oh, have matters progressed so little. I could turn this with a rake pick. La technique n'est pas faite. Done. Where'd you learn that? Oh, it's something I picked up a little. Tu m'étonnes. Pardon, excusez-moi parce que je suis allé là-bas, mais j'ai même pas vu si on pouvait y aller. Ah, bah voilà. On peut y aller. C'est quoi ce chargement qui vient de bloquer ma... D'accord, ok. Ce n'est pas un freeze. Enfin, si c'est un freeze, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas votre écran. Ok, il y a des gens morts ici. Oh, ça me fait penser au... Au chapeau de Dishonored et Demoiselle. Another burst pipe. Store sunk a few hundred feet beyond its specifications. Ok. More pressure, more burst ouais, pipes. Il va nous falloir ce machin-là. Donc on va monter, je suppose qu'il doit être à la patinoire. C'est un peu désagréable le petit chargement là. Ok, c'est parti. Le travail de glace laisse des sacrées traces. Ah non, par contre s'il y a des petits chargements à chaque fois, là ça va être chiant. Là je dois vous le dire, ça doit être chiant. Le truc est installé sur la console pour aller plus vite. Alors si ça commence à bugger, c'est un peu con quoi. Ouais, ça c'est gentil, j'ai vu un truc qui brillait, là. De l'argent. Autre chose ici... Non, ok, on y va. Ok.
Franklin. Ok, ils sont beaucoup. Voilà. Boum. Voilà. Boum. Okay. J'ai failli crever. Eh putain. J'avais oublié que mon bouclier. J'avais un bouclier. Par contre, il est parti où l'autre? Il y en avait un autre, non? Hey, what's the big idea? Où ça? Où ça que t'es? Vas-y. How could you? How could you? Ouais, donne-moi un peu de santé, s'il te plaît. Ah bah voilà. Youlou. Voilà. Il me semblait bien qu'on faisait comme ça pour tuer. C'est une putain de tourelle, ok. Yolo. Elisabeth, c'est une grosse folle quoi. Elle fonce quoi. Bam! Ah d'accord. Tiens mon petit, je te défonce la tête. Ça va mieux? Un journal audio. Ah, je suis désolé, on va pas pouvoir le lire. En fait, j'ai trouvé un moyen de... Oh, putain, j'ai peur que ce soit des gens. Ah, un crochet. En fait, je vais vous montrer ça. Regardez. Je vais penser que... Enfin, c'est sûr qu'en anglais, on peut pas trop comprendre. Pour ce qui est de l'audio, mais en fait, ici, c'est décrit... C'est décrit les choses qui est dit en français, donc ils ont quand même pensé à ça. Coup. Alors lui, c'est pas déglingué par... Coucou. Okay. Yolo. Putain, mais y a pas moyen de les déglinguer. Ok, moi je voulais le cadeau. Voilà. L'équipement. Alors, pantalon sensible. Tuer un ennemi avec un plasmide vous fait récupérer un peu d'eve. Bah écoutez, je vais l'équiper parce que de toute façon j'ai que ça. Donc on est au début du jeu. Un crochet. Ok. Une boîte. Hop, je prends. Ok, il y a une musique comme quoi il y aurait encore un des gens, mais je vois personne. Coucou. Mais déglingue-le. Voilà. Alors là, il lui a enlevé la tête. D'accord, donc je suppose qu'en fait on doit aller par là. Donc on va refaire un petit tour. Histoire de fouiller un peu tout ça. Parce qu'on n'a pas eu le temps de fouiller ce qui était ici. Parce que je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes. N'est-ce pas? Que vous allez mettre des choses intéressantes, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Genre le sac qui est là, qu'elle voulait que je fouille, mais que j'ai pas pu fouiller. Ah, il est derrière. Ah, il est là-bas. Lui, il arrive à fouiller les sacs qui sont derrière lui, quoi. Je devrais rester appuyé sur le carré. Bon, je serais vachement mieux. Hop, on va fouiller ça. Tac, tac. Bon, ben voilà. Bon, je suppose qu'on va pas pouvoir aller là. Ah, si, parce que... Il nous faut un crochet. Think you can crack this one open? I can do that. Eh bah fais-le ma petite. Vas-y. Fais-toi plaise. All yours. Tant qu'il n'y a personne ici.
à prendre des munitions de canon à main. Je prends tout ce qu'il y a, mon petit. Je prends tout. Mais pas ça, parce que ça t'enlève de l'aide. Ça, c'est le cendrier. Après, ça aurait dû mettre une lampe torche. Non, peut-être pas. Hein. Mais, c'est des fois, c'est un peu mal éclairé. T'as du mal à voir, quoi. Ok. Plein d'argent, plein de sous-sous. Toi, tu es vide. What? Ah, voxophone. Oh, de Sander Cohen. Hop. Putain, il nous donne tellement pas de balles. Oh, ça c'est une infusion, ça c'est pratique. On va se mettre du bouclier parce que c'est pratique. Feel better already. Ça c'est du vin. Le vin c'est bon, mais on en a pas besoin tout de suite. C'est quoi que je peux fouiller là? Non, une bière, ok. La tourelle. Alors, où êtes-vous? Ah, il y a une tourelle, ça s'entend. Over there. You see him? Yes, je vois. Please, just say something for mother. Oui. Ok. Yeah. Folks always stare when I make the scene. Et voilà. Et je me suis encore trompé. Vas-y, donne-moi de l'île. Et toi? Ça te va mieux? C'est bon. Phew. Ah, une mitrailleuse. Voilà. Oh, ça c'est une bonne mitrailleuse à l'ancienne en plus, c'est cool. Haha. Je suppose qu'elle va être immaniable comme, la comme les précédentes. 100% d'Eve en plus, tranquille. J'ai Bourbon. Non. Mais c'est foutu trop la mine. C'est quoi ça? Un lingot d'or? Thanks you guys. Thanks you. Oh putain, le bug. Thank you. Oh, des chips. Thank you. Les points d'accroche vous permettent de grimper au-dessus de. Ok, mais moi je veux fouiller le cadavre. Non, je voulais pas boire ça, putain. Ah, fait chier. Un point d'accroche, oui, attends deux secondes. Oh, un équipement. Alors, c'est quoi ça? Une chemise. Les pièges de parfumée sont plus efficaces et les recours en F diminuent. Ok. Bah cool, écoutez. J'ai pas de chemise, moi, donc avant j'étais chemise et champagne talent. Ouais. Non, on peut pas aller derrière. Mais si, qu'on peut aller derrière. Y'a quoi derrière? Là, y'a rien. C'est possible. Ok. Ça marche. Alors, les points d'accroche. Ils ont dit les points d'accroche, blablabla, points d'accroche, blablabla. Le seul problème, c'est que c'était pas l'endroit. Là, c'était juste un endroit où fouiller. Voilà, donc c'était pas. Je veux dire, c'est normal qu'on ne trouve pas de sortie. Ok, c'est parti. What? Mais cours, man. Ah merde, je joue tout le temps. Même. Mais c'est pas grave. YOLO. Yep. Thank you. Non, il y avait derrière moi. Et voilà, première mort dans ce Bioshock Infinite. Allez. Oh, ce recyclage. Est-ce qu'il fait un peu bitch. Yeah, je sais. Je sais qu'on a de la compagnie. Non, j'ai rien fait. Il est où l'autre? Allez. Yop. Ok, on peut y aller. On va juste recharger ça.
Look up what? There. Ah oui, un point d'accroche. Manger de la soupe en boîte. Ils ont des mets très raffinés ici. Ça, ça se fouille, ça. Ouais. Ok, c'est parti. Let's go. You. Take your time. I'm fine down here. Ça marche, je vais rester là un petit moment alors. Non, je déconne, je vais descendre. Sorry, that's all I've got. Ok, toi t'as des balles? Non, t'as pas de balles. Yo! Bitch, d'où tu me tires? Il me tire de là-bas, lui. Allez, viens! Son of a bitch. Je vais prendre ça. Hop! Qu'est-ce que c'est? Un chapeau. Alors, les dégâts de vos armes augmentent lorsque vous utilisez la lunette et que vous enchaînez les victimes. Bah écoute, hein, équipe, hein. J'ai que ça, de toute façon. Ah, oh, mais putain. I push you to grow. Ça va mieux? Ok, on va fouiller les cadavres. Que dalle. Que dalle. Que dalle. Putain, la musique est bien épique. Hop. Ici. Comment t'as réussi à monter, toi? Ah oui, mais elle aussi, elle en a un de capteur. Enfin, de grappe-ciel, là. Ils appellent ça capteur, mais c'est capteur, c'est moche. Putain, ils avaient plein de cadeaux, ici. Ils en ont plus. Pourquoi? Pourquoi? On va pas prendre du vermousse. Alors. Ouh, la saleté. Coucou, tu me vois pas. Oh, il est chaud. Je ne sais pas, je crois qu'elle peut pas se retourner. Ah si, elle peut se retourner en fait. Quoi? Moi je fais des conneries? Oui, pourquoi? Je fais totalement des conneries. Je fais des grosses conneries même. N'importe qui aurait foutu le feu au bidon d'à côté. Waouh, 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 waouh. Ouais, donne-moi ça un peu, s'il te plaît. Pas me tromper de touche. Bah, elle est où? Ah, t'es là. Forcément, parce que... ils sont intelligents, les... Attends, c'est moi ou... ou l'IA est intelligente et l'a tiré dans le bidon? Oui, je peux t'entendre, mais et on se retrouve toujours au même endroit, putain. Franchement, s'il y a à nouveau des mecs, c'est la loose. Bon, il n'y a pas à nouveau la tourelle. C'est déjà ça. On va se barrer. Ok, on recommence. YOLO. Ah, c'est ça. Vous avez vu comme elle va vite? Elle se téléporte. Ok. On va aller un peu plus stealth. Avec 3 balles, ça va le faire. Par contre, bourre toi. Bah, elle se bourre pas. Avant, elle se bourrait. La boîte qui bug. Prends-moi, 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 prends-moi. Oui, oui, je les ai vus. Bam! Bam! Une balle à mort. Comme on dit dans le milieu. Ok. Après, je pensais pas comment. Enfin, comment sont arrivés les chromosomes. Si, on sait comment sont arrivés les chromosomes. Je pensais qu'ils allaient l'expliquer un peu plus là. Parce que là, ils nous balancent directement des chromosomes, mais. Ils disent pas, genre. C'est venu des. Ou ils ne mettent pas des mecs normaux, à dire, entre parenthèses, pour dire qu'après ils sont venus comme ça, quoi.
Il dit juste que c'est juste des gens qui sont enfermés dans une prison, quoi. Alors que ça vient de la dégénérescence des plasmides, des gens qui sont devenus accros à l'Ève. Accros à la dent, je veux dire. Et qui cherchent toujours un peu plus d'Ève. Bon. Cette fois-ci, on va pas se tromper. J'ai rien fait. Passe pas devant, s'il te plaît. Hein. Merde. On va encore commencer. Voilà. Comme ça, on peut la casser tranquille. D'accord. Ou pas. Non, elle a encore toute sa vie. Ok. Bon, on se casse. Ah, voilà, un chapeau. Alors, frappe étendue. La portée au corps à corps est multipliée par 3 et les dégâts par 2, mais consomme 20% de votre bouclier. What? Et c'est quoi l'autre? On va juste le prendre. Non, c'est un peu... Ça m'a l'air cher. Ok, on peut y aller? Sérieusement, parce que... C'était par où, là? C'est pas par là? Oh, pardon. Oh, j'avais pas vu la porte, là. Splicers. C'est comme ça qu'ils appellent les chromosomes. Ouh. Boom. Je sais pas ce que tu fais avec ta boîte sur ta tête, toi, mais... T'es trop swag. Oh, pardon. Je vous ai pas vu, monsieur. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est comme si j'étais fou. C'est ça. La première fait injection fraisée, puis c'est la spirale. Ah bah voilà, il l'explique là. D'accord. Et en plus, une vidéo comme ça, ils deviennent alcooliques, quoi. Eh oui, parce que les petites sœurs... C'est eux qui récoltent la drogue, parce qu'ils se viennent des drogués. D'ailleurs, les petites sœurs sont remplies d'Adam, hein, il me semble. Hop, on va charger ça. Hop. Les portes sont pas aussi longues à ouvrir, normalement. Okay. Oh, jolie statue. Alors, plus rien à fouiller. Ok, on va fouiller la boîte là. On va prendre l'argent qui est par terre, parce que l'argent, ça fait toujours plaisir. J'adore le cri des baleines qu'on entend toujours. On est où, là? Ah, mais on est au-dessus du truc, en fait. Ok. On est au-dessus du truc de tout à l'heure. Ah, putain. Avec beaucoup d'électrocorps. Vous connaissez l'électrocorps? Plus que vous pouvez savoir. Let's look around. Maybe there's a store ain't been ransacked by splicers yet. Les pneumatiques. Oh, les robots. Donc l'électroquartz, c'est aussi l'électroquartz ici. C'est l'avantage. Hop. Ok, fouillez les sacs. Fouillez tout, fouillez tout. Fouillez tout, mais y a rien dedans. Oh, l'électroquartz, ça nous connaît. Hein. On est des fous, nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ah, un sac en toile, de l'argent. Trouver le plasmide d'hiver d'antan. Ouais. Bah écoute, je crois que c'est par là, non? Ils m'ont fait peur, les cons. Vous ne bougez pas, non? Ah, vous bougez pas d'un poil. Ok, ici. Ça, ça s'ouvre même pas. C'est quoi ça? Une petite poupée russe. Encore, ça se pète même pas. Bon. Et on va s'arrêter là pour cet épisode 2 sur le DLC Burial at Sea épisode 1. Que c'est beaucoup trop long à dire, donc je vais juste te dire qu'on va s'arrêter là pour l'épisode 2. Que je vais vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine ou pour la semaine d'après.
puisque je ne sais pas si je vais encore le mettre une fois. On verra. Pour la prochaine fois, donc. D'ici là, portez-vous bien, et salut, salut à tous. J'arrête un écran, portant la mention play again.